Bon, salut à tous et à tous, c'est Rossadri. On se retrouve pour l'épisode 29 de Kingdom Hearts 2. Du coup, ouais, et puis toujours aussi feignant, on va dire. Et puis, on a fait le saut de la bête, puis c'était rendu donc occlusé de l'Olympe. Que se passe-t-il, Sora? Auron a des ennuis. Il est sous l'emprise d'Hadès. Il possède une petite statue d'Auron. Une poupée? Ça me rappelle quelque chose. Hadès se sert certainement de cette figurine pour contrôler la volonté d'Auron. Essayez de trouver cette statue. Elle doit être quelque part aux enfers. D'accord, on s'en occupe. Me dis pas que t'as l'intention de t'en aller. Le tournoi va commencer. Je combattrai Auron lors de la finale. En duel. Vraiment? Tu es d'accord? Je vais essayer de gagner du temps. Mais... dépêche-toi de revenir. Je sais que tu peux y arriver. Félicitations. Marché conclu. Merci. À une condition. Le mal coiffé et ses petits compagnons devront affronter le vainqueur dans un ultime combat. Qu'en dis-tu? Le public va adorer ça. Y a intérêt. Ma réputation est en jeu, je leur ai promis un spectacle d'enfer. Quel bande de naïfs. Ils gommeraient n'importe quoi. Qu'on y aille. Attendez.
de Nangoi. Il a passé des skills dans tout le monde. Nous avons fait bouger la langue. Du cœur d'Oron. Ça alors, il a pas dû avoir une vie facile. Non, tu as raison. Mais sa souffrance l'a rendu plus fort. Il faut pas regarder ces nuits. Oh non, mais d'où ils sortent ceux-là? On a sûrement l'oublié dans son trèse. Il l'a fait venir. Elle veut juste être prêt pour vous faire chier. Allez, explosion. Voilà.
oublier notre marché quand même. Je peux t'offrir un casier vierge, mais tu peux pas dire Hadès. Un quoi? Il n'a peut-être pas entendu. Je te le répète, je décide seul de mon sort. Enfers. Ça suffit! Le tournoi est fini, j'ai respecté les règles jusqu'ici. D'accord, je l'avoue, j'espérais que Superman perdrait contre Auron, mais c'était quand même un combat équitable. Vous n'êtes pas d'accord, les gars? Vraiment, un combat équitable. Bon. Riez, riez, riez tant que vous pouvez. Bientôt, il n'y aura plus que des larmes. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que maintenant, on va jouer selon mes règles à moi. Mon Dieu, qui c'est que ça? Meg! Hercule! Hé, tu t'avais prévenu d'entrée de jeu. Tu participes pas, tu perds ta copine. Ça va être la descente infernale. Peut-être, mais nous, on est toujours là. Oh, ça va être comme ça. Souvenu qu'un vrai héros se mesure à la force de son cœur. Je suis de nouveau moi-même. Prends pas trop de risques quand même. Les gens font des choses risquées quand ils sont amoureux. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle, bande d'imbéciles? Vous êtes pénibles, franchement horripilants. Sa vie.
C'est qui ton personnage? Celui qui est plié là. Hercule. Moi j'ai encore aucune vie. Alors si vous ne... Allez, toi là, allez, mange-toi en équipe de... Allez, ta dernière barre. Les méchants secrets, frère. Zephyros, il est encore plus chaud. Alors, la tyran l'aide à mourir. Et dans le 3 qui va bientôt arriver, on le revoit. La bonne annonce, on l'a vu. Alors, comment il revit? C'est peut-être un dieu, mais. La cohérence. Mais en fait, c'est quoi le truc vert? En fait, c'est un puits. Comment t'expliquer un en fait? Un peu comme de la papa papa. Enfin, si tu veux, c'est comme un puits. Mais là où que ça soit de l'eau, bah, c'est plein de, c'est les âmes. Voilà. Quoi? Les âmes. Enfin, comment t'expliquer? Enfin, si tu veux, c'est les esprits. Comment expliquer? C'est les esprits en fait. Quand on meurt, on dit qu'on va en enfer ou en paradis. Comment tu le sais? Tant que je prenne en main ma propre vie. Après, c'est peut-être pas. Après, est-ce que c'est vrai? Quand on dit qu'on meurt, bah, il y a que le corps qui reste, mais l'âme, bah, on va au paradis ou en enfer. Imagine. J'ai un enfer. Je qu'on n'est pas mort. D'accord. Enfin, tu peux nous remercier un petit peu. Faudrait savoir. Ah bon? Faudrait savoir. Comment tu dis qu'il veut dire faudrait savoir? Je commence à connaître par cœur. Je vais donc faire un effort. Merci, Sora, Donald Dango. Merci de vous en être mêlé. Hey, ça veut dire quoi ça? Pourquoi il a un bras comme ça et un autre bras qui pend? Là, je peux pas te dire parce que je connais pas ce Final Fantasy. Ah. On va le voir l'autre. C'est vrai qu'il est battu. Les amis, vous on le revoit dans 3, mais. Merci. Mais on sait pas comment. Oh, voilà. Tes canards n'aiment pas la gratitude. Je plaisante. Merci Sora, Donald, Dingo. Alors, où est-ce que vous allez maintenant? Oh, tu sais, on ne peut pas vous déranger plus longtemps. Comme vous êtes toujours collés l'un à l'autre. Sinon, on va encore se mêler de ce qui nous regarde pas. C'est ça. Eh les enfants, vous voulez que je sois au chômage ou quoi? Si vous continuez à remporter toutes les épreuves, qui je vais entraîner, moi? Tu peux pas m'abandonner maintenant. Phil, je dois être au mieux de ma forme si Hadès refait surface. Ouais. Allez, Phil, qu'est-ce que t'en penses?
Voyons voir un peu. Il comprend ce qu'il dit. Vous n'êtes pas assez philosophe. Philosophe. Pas encore assez d'expérience. Oh, ça va, on a compris. On a quand même battu Hadès, c'est génial. C'est pas moi qui décide. Alors que toi. Essaye donc de battre Sephiroth, il en parlera à Phil. Mais si c'est le cas, je peux vous garantir que je vous nommerai tous héros, en un clin d'œil. Il fait ton coup de lâcher un point de vie. Il fait certaines questions, après il va être mis game over. Si c'est ça, le héros, vous avez encore du pain sur la planche. Tu peux rien comprendre. N'insiste pas. Sephiroth, il a une technique. Il faut mettre pas toute la prime parce que sinon il te laisse un point de vie. Et après, si tu fais pas quelque chose pour. Voilà. Un message des cieux. C'est quoi? Du coup, tu l'as imprimé la carte? Oui. En fait, là, pourquoi ils font ça? Ils font ça? Pourquoi ils font ça? Hein? Genre. Oh. On est dans les étoiles, quoi. Causé de l'Olympe. Olympus, quoi, je sais pas quoi. C'est écrit en anglais en haut, mais en fond, c'est sous-titré en français. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pas vu qu'il y avait écrit en dessous. C'est moi qui ai fait acheter à Nani les patinoires. Merci. Alors, maintenant, qu'est-ce que. Mais c'est trop bon. Je peux pas m'en empêcher, c'est trop. Un nouveau épisode est ajouté. Alors, on va aller où? C'est bien, tu vas aller où? Tu ouais. Port-Royal. Attention, un dessin animé un peu qui fait peur. Enfin, dans le jeu, il fait pas peur, mais dans le film, il fait peur. Pirate des Caraïbes. Jacques Paro. Ah, notre méchant. Pirate des Caraïbes. Là. Tu vas réussir à le battre? Oui. Enfin, on le bat pas maintenant. On le bat au dernier niveau du jeu. Oui. Là, ils sont où? Ils sont là, ils sont. Ils sont à port. Dans le monde des pirates. Enfin, à l'époque des pirates, du moins. Je te demande parce que. Alors. Enfin, une petite sauvegarde, je sais rien. Mais c'est qui en fait, celui qui était juste à côté là? Lequel? Non, pas là. Là, à côté là. Oui, là. Le truc avec le ballon là sur la tête. Ah, c'est une boutique pour acheter plein de trucs. Oh, oui. Acheter soit. Ah, bon, tiens, on va acheter des nouveaux pour Donald. Qu'est-ce que. Voilà. Ça sert à quoi? En fait, à améliorer. Améliorer l'attaque, enfin, améliorer plein de trucs. Non, Dingo, Donald. Dingo. Voilà, il faut mieux. Et maintenant, on est parti. Là, on retrouve Jacques Sparrow. Jacques Sparrow, le pirate. Celui qui était à côté du trésor? Non. Jack! Zola, un petit coup de main. C'est Sora, Donald et Dingo. Avec un S. Laisseras-tu périr ton compagnon? Ça va, on arrive. Pourquoi ils sont pas méchants? D'accord. Il vaut mieux pas que tu prennes le pirate. Moi aussi, on va prendre. Ça fera plaisir aux fans. Le pirate et puis Donald. Ah. On va peut-être juste faire ça dans le monde et puis on s'arrête pas. Tu dois prendre un peu de là. Ouais. Ah, bien. Celui-là, qui frappe avec la clé. Avec la clé. Si, celui-là. Voilà. Ils sont tous morts? Ouais. Ça a pas été vite, hein? Ah bah si, au contraire, ça a été vite. Oui,
ça a été vite, c'est ce que je voulais dire, oui. C'est ce que je voulais dire. Ça n'était pas vite, elle n'aurait pas encore réussi. Oui, ça va très vite en plus. Et puis surtout, Jacques, Sora. Oh, la petite princesse. Isabelle. J'entends pas parler. J'avais pas envie de leur faire parler. C'est qui parle? Bah là. Donald? Là je dirais Jacques. Parce que vu comment est pointé le trait, la bulle. Bah là Sora, je parie. Là c'est là que je sais pas. J'aurais peut-être. C'est d'un gauche, mais peut-être Isabelle. Isabelle. C'est la fille. C'est elle qui parle. Oh. Voilà. Oh non, vu qu'elle bougeait pas. Hein. Non. Qu'est-ce qu'elle faisait la fille en fait? Elle a été prisonnière? Non, c'est son copain. Alors, qu'est-ce que. Ça, j'ai pas assez, mais c'est pas grave. Copain, qui? Le copain. Le copain Isabelle. C'est qui son copain? Will Turner. Alors. Ouais, c'est plutôt bien. Roger, pas bien. On va bientôt manger parce que la guiche elle est fou. La ville. À mon avis, c'est l'heure de dire la ville. Parce que ville, ça n'est pas très magique. La ville. C'est terminé. Tu sais celui qui était à côté du trésor là. Non pas maintenant. À la fin du jeu. Ouais. Toi on le voit presque pas, on voit juste celui-là. Bah moi justement, c'est celui-là qui est. Il frappe. Là. Non, moi je suis un garçon. Celui-là là? Ouais. Celui qui a la grosse clé ou je sais pas quoi là, ouais. En forme de. Ouais. Il est dans le label la bête. Oui. Donc, je crois. Ouais, vraiment très bien fait. Avec les griffes qui représenteraient la bête. Puis le petit condom, enfin le petit porte-clé. En pétale de rose. Donc on va s'arrêter là. Alors on rattrape ici. On fera le reste de la semaine pour là avant le prochain épisode. Pourquoi tu reviens là? Pour sauvegarder. C'est-à-dire quoi? Enfin pour si tu veux. Quand je reprendrai en fait la partie, ben comme ça je reprendrai ici. J'aurai pas besoin de retaper tout. Bon, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à partager la vidéo. A plus.